L'heure est venue, comme chaque semaine, de dresser vos antennes métropolitaines pour rester un citoyen intercommunal bien informé. Grenoble-Alpes Métropole, parmi ses missions, gère les équipements métropolitains, bien sollicités comme le Stade des Alpes ou la patinoire Pôle Sud, qui a changé de peau le temps d'une finale. La finale de Ligue 2 féminine de basket a élu domicile dans l'antre des Brûleurs de Loups, et pour cause, c'est la première fois que le club de La Tronche-Mélan joue à ce niveau. Et au moment de frapper à la porte de l'élite du basket féminin français, les joueuses elles-mêmes ont aidé à poser le parquet flottant sur la glace. La veille de l'événement, une solution grandeur nature pour offrir un bel écrin aux 3000 spectateurs qui n'auraient jamais pu se serrer dans le gymnase du Charlet à Mélan, par exemple. Côté terrain, les basketteuses du BCTM allaient vivre ici la dernière étape de leur saison incroyable. Tellement dure au démarrage, allaient-elles pouvoir réussir l'exploit face à Toulouse, la seule équipe qu'elles n'ont jamais battue? Verdict avec Arthur Glory. Et place à la finale. Après un revers lors du match aller à Toulouse, le BCTM remplit Pôle Sud pour le match événement. Dans une patinoire transformée pour l'occasion, quelques 3000 supporters sont venus donner de la voix. Les joueuses n'ont pas le droit à l'erreur. L'équipe surprise des playoffs n'est pas favorite, mais tout le monde y croit. Bah franchement, c'est incroyable. En plus, il y a plein de gens qui sont venus. On peut voir que c'est presque rempli, c'est quasiment rempli. Je pense que le staff du BCTM, ils ont fait un énorme job. Je pense pour avoir le gymnase, tout ça, c'est incroyable. Toute la pub qu'ils ont fait dessus et tout. Et c'est incroyable d'être ici. Pour cette finale, c'est incroyable. Pour les playoffs, c'est oufissime. On perd peut-être un petit peu en intimité, mais je trouve que c'est extraordinaire. Par contre, moi, je pensais qu'on aurait un peu frais. On a très, très chaud. Mais ça, c'est l'ambiance et c'est normal. Le match est super, c'est super bien. La rencontre débute bien pour les tronchos mélanaises. Profitant des multiples erreurs techniques des Toulousaines, le BCTM boucle le premier quart-temps avec 5 points d'avance. Mais leurs adversaires vont régler la mire et prendre le match en main. Combatives, les guerrières ne lâchent rien, les vagues toulousaines déferlent, mais le BCTM tient bon. Le match bascule dans le dernier quart-temps avec 2 tirs à 3 points. Toulouse s'octroie le titre et la montée en LFB. Un clap de fin pour une saison exceptionnelle. Ce soir, on est aussi les gagnantes. Parce que pas grand monde aurait parié pour qu'on soit en finale de Ligue Féminine 2. On y est, on a fait une belle progression. Il y a 6 ans, on s'entraînait dans les petits gymnases de Grenoble. On n'avait pas de créneau. Ce soir, on remplit une salle de 3000 personnes. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a gagné. Déjà, personne n'aurait pensé nous voir ici aujourd'hui. Au début de la saison, on nous voyait déjà redescendre en N1. Donc voilà, maintenant on a prouvé qu'on avait un vrai capital sportif dans cette équipe, dans ce club. Quand on voit ce qui est fait ce soir en termes d'organisation, voilà, c'est un club qui est digne d'aller plus haut, digne d'être ambitieux maintenant. Et il se doit d'arrêter de s'excuser d'être en Ligue 2. Après un tel événement et une saison qui restera dans les mémoires, les ambitions du club grandissent. Le BCTM, club surprise de ses playoffs, en ressort plus fort et se voit déjà jouer la montée dans les saisons à venir. Dans les 2 ans à venir même, l'a avoué le président Jean-Claude Pic. Pôle Sud qui, avec le retour de la glace, a retrouvé la fraîcheur. Et pas seulement à l'intérieur, le parvis de la patinoire entre Alpes Congrès et Grand Place, qui est un espace vaste, sec et chaud en été, vient de se parer de nature pour apaiser le trajet des visiteurs avant leurs achats ou avant une séance publique et pour tester les bienfaits des végétaux sur les fortes températures et la pollution. Laurie Baillet. C'est ici, entre la patinoire Pôle Sud de Grenoble et Alpes Congrès, sur ce parvis minéral, qui a expérimenté jusqu'en septembre 2023 un jardin bioclimatique temporaire. Charme, aulne, érable, des arbres pour offrir un peu d'ombre et de fraîcheur. On a voulu passer d'une place très minérale, très exposée, un espace qui est traversé, à un jardin temporaire. 130 arbres sont installés, des jeunes arbres sont installés dans des pots. On a 13 espèces d'arbres qu'on retrouve couramment dans Grenoble. C'est des espèces particulières parce qu'elles sont adaptées au climat urbain et au sol très minéraux de la place. Et l'idée, c'est que tout le projet soit composé de matériaux recyclables, que l'entièreté du projet puisse être redéployée ailleurs et que ces arbres, tant qu'ils sont jeunes, on peut les déplacer et les planter dans d'autres parcs de la métropole. Et pour protéger l'étendue la plus exposée devant la patinoire, un grand vélum est installé à plus de 4 mètres du sol.
C'est le principe d'un mât qui va être tendu par des câbles. Et de l'autre côté, en fait, on a procédé par opportunisme, c'est-à-dire qu'on est allé s'accrocher à la façade de la patinoire. Donc ça nous a permis, en fait, d'avoir une sorte de système mixte structurel qui vient tendre, en fait, entre les deux, un réseau de câbles sur lequel on est venu poser les laits de tissu. La structure en elle-même, elle fait 750 mètres carrés. Et en fait, elle vient, selon la projection de l'ombre, créer une surface moyenne de 1000 mètres carrés d'ombre. Ce projet expérimental de 18 mois doit également permettre de mieux comprendre la nature en ville et d'évaluer ainsi l'impact des végétaux sur la température ressentie avec plusieurs capteurs. On a placé 4 séries de capteurs à différents endroits, donc des endroits sans végétation, des endroits avec différentes modalités de végétation, à l'ombre aussi du vélum. Afin de mesurer les services écosystémiques rendus par les végétaux, il s'agit du rafraîchissement par exemple. Il s'agit aussi de la partie captation des particules fines de l'air, donc c'est la pollution de l'air qui est atténuée par le végétal. Également, on a des capteurs d'humidité du sol, puisque les végétaux sont arrosés, il faut le faire correctement sans gaspiller d'eau. Donc c'est important de savoir quel est le besoin en eau des végétaux. Ce jardin bioclimatique fait partie du plan Canopée soutenu par la métropole de Grenoble qui vise à lutter contre le réchauffement climatique et à améliorer la qualité de vie des habitants du territoire. Et ce jardin sera ici jusqu'à à peu près dans 18 mois, voilà, pendant un an et demi. Et c'est la fin de ce Métro Hebdo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.